Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre Let's Play sur Assassin's Creed 4 Black Flag. Bon, on est toujours dans nos coffres au trésor, là, enfouis, qui sont pas faciles à trouver, hein, mine de rien. Là, on a un peu galéré dans l'épisode précédent. Alors, on va continuer donc nos recherches. Et ce coup-ci, il nous en reste une petite dizaine, le coffre. Je dirais 9. 8 ou 9. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Ok. 159. Non, 579, 720. Bon, bah, allons tout de suite voir où ça se trouve sur la carte. 579. 560. Non. Ok. Andreas Island. Alors, espérons que ce sera pas trop dur. Allez-moi de la vitesse! Non, non, non. Capitaine à la mer! Ok, c'est sur une petite île un peu à part. Je me rappelle à un coffre qu'on avait déjà trouvé une fois, qui était pareil sur une petite île un peu à part. C'était un jeu d'enfant. Alors 479 487. Oh, mais abstrait. Bon, on va revoir notre plan tout de suite pour savoir exactement où se trouve le coffre. Enfin, à quoi ressemble l'endroit où il se trouve en tout cas. C'est près d'une échelle cassée à 3 barres, dont la 4ème et les pétées quoi, voilà. C'est tout, ce qu'on sait. Thank you.
Occupez-vous de l'outil carte au trésor, vous dites? Ah bah oui, il suffit que je la... Je peux rien faire d'autre que l'ouvrir comme ça. Non, mais plus qu'à espérer que ce soit là-haut. Ah oui, c'est par là ça. Vous reconnaissez? Crapule. Ah, ordure. Encore une. Donc ça peut être ici. J'aimerais tout finir dans cet épisode, au possible, cette collecte des coffres. Ce serait donc juste avant la montée alors.
ça peut être par là, encore que je vois pas trop comment. Ouais, je vois pas comment on va dire. Donc du coup, à mon avis, c'est par là. Dans le coin, voilà, c'est pas difficile, c'est à peine un petit truc là, hop, voilà. Bon, bah écoutez, au suivant, je suis certain, on a vu, je vais pouvoir battre. Ah. Oh bah si. Alors, bon bah écoutez, très bien. Inventaire, carte, trésor. 442, 118. Derrière le moulin. Et oui, je me sale la couenne pour aller chercher ce trésor qui est derrière un moulin. Peut-être celui-ci. Un beau manoir là. Oui, c'est un petit village sympathique aussi. Le plus dans la collecte. Bien. Carte. Inventaire, que j'y arrive. Hein. 525-253. Ok, entre deux huttes, derrière trois palmiers et près d'une espèce de tour là. Je vois l'endroit. Ça va être chiant. 525-253. 525. Ça va être chaud. Voilà,
Ah, c'est l'endroit où il y a tous les rageux là qui nous jettent des flèches là. Oh. Je crois que c'est là. Oh bah, ceci dit, ils peuvent y aller avec leur sarabacane là, j'ai une tenue appropriée pour le coup. Vu. Ah ouais, ça va, on a pas si galéré, pas tant galéré que ça. Et du butin. 4000 réals. On va avoir un de ces butins, nous. Hein. Parce qu'on va pouvoir faire des achats, là, je pense, à la fin de l'épisode. Fabrication. Inventaire. Carte au trésor. Et d'accord. Il y a juste un palmier qui surplombe quelques cailloux. Et c'est tout ce qu'on sait à peu près. Dans les coups, hein. On ne sait jamais. Ouais, parce que c'est surtout que c'est le seul coin de mer là. C'est très certainement ici ou à côté. On est à côté là. Hein. Ça peut être là ou là. Dans l'eau. Alors, on ne veut pas venir demain. Ah bah il y a aussi des arbres dans la grotte. On a bien fait d'entrer. J'aurais pas cru. Oh les emmerdeurs. Allez. Oh là là, saleté. Oh. Ah, mais c'est pas vrai d'en avoir deux comme ça! Je peux pas là! Que vous voulez que je fasse? Quand je tape sur l'un, y'a l'autre qui me tape! Donc je peux en tuer aucun! Donne-moi ton arme! T'as vu une arme là!
cette armure, elle sert à que dalle. On peut rien prendre avec ça. On peut pas s'armer ni rien. Bon, c'est quand même pratique pour ce qu'on fait, parce que bon, j'ai plus envie d'avancer que de faire du combat. Donc comme ça, les mecs qui tirent, ils peuvent nous tirer dessus. Voilà. Vu. Si ça se trouve, toutes les cartes sont collectées dans des lieux, c'était des cartes qui étaient prévues pour les lieux mêmes. Ou pas, Bon, au suivant. Ah ouais, il reste plus que deux. 55, 178. Oula, waouh. C'est les ruines Maya qui sont sous l'eau là, je crois. La grand voile au vent. C'est parti pour les enfers. Ah, ça va ce trou là, il est pas trop méchant. Dommage qu'on puisse pas faire des repères pour se téléporter après dans les sous-marins, dans les mondes sous-marins là. Ils sont revenus comme si de rien n'était, ces salopards là. Alors. Ah oui, d'accord, il y a une ouverture, c'est une ouverture du ciel. Et ce serait donc près d'un rocher en face d'une entrée. Ok. Attends, on va regarder plus ce que c'est que l'autre. Oula. Ouh. Plus tard. Donc ce serait au bord d'un rocher, près d'une entrée.
Ouais, je m'en doutais, je voyais un petit bout de sable là qui traînait. Il me dit que c'est l'endroit approprié. Et voilà, c'est à nous. Hop, 307-195. Derrière un temple, visiblement. Donc, 300... 100... Oh, on y est. Bon, normalement, c'est le dernier. Après, on est débarrassé de ça. Bon, le défi Abstergo, j'avais regardé dans il y a quelques épisodes auparavant, en arrière. Si j'allais les faire, mais je pense pas. Il y en a beaucoup, il y a des trucs un petit peu durs. Bon, je peux... C'est vraiment des détails. Je trouve que c'est pas forcément des objectifs vraiment très importants à faire. Ça, je voulais les faire parce que ça fait aussi partie un petit peu des tâches d'exploration. Le défi Abstergo, c'est juste des voilà, bien combattre, des trucs comme ça. Quoi. On a des objectifs de chasse, bon. Ça va, on a fait l'ensemble là. Là, je pense que mon prochain objectif ce sera les navires, le navire légendaire. Et après, la lecture des documents. Ou un peu les deux, on verra. L'intérêt un petit peu, on verra bien. Mais dans l'idée, ce sera ça, navire légendaire, lecture de documents. Et après, on passera au prochain Assassin's Creed, parce que je pense qu'on aura déjà bien travaillé sur celui-ci. À moins que j'arrive à arranger mes problèmes de DLC, dans quel cas... Normalement, il devait y avoir un DLC pour faire Aveline de Grand Prix, mais je l'ai pas trouvé. Enfin, c'est un DLC, je sais pas si on incarne Aveline ou si on a des missions avec elle. Mais voilà, on pouvait rencontrer Aveline... C'est bizarre d'ailleurs quand j'y réfléchis bien. C'est anachronique en fait, hein. C'est sûr que ça se passe après. Parce que Aveline c'est plutôt après, hein. Vraiment c'est la même période que Color. Hein. Vous voyez, je suis en train de penser là. C'est par là. Vu. On assure. Bon après on peut dîner, hein. Il n'y a pas d'herbe là. C'est un truc qui était planqué. Hein. Un plan, de l'argent, on a tous les plans disponibles dans la cabine du capitaine, comme vous dites. Voilà, je veux absolument voir ça. Boulet explosif, je sais pas quoi là. Ah oui, non, je veux voir ça, moi. Ça va nous servir à mort, ça, pour les affreux monstres, voilà. Des boulets, vous dites? On a presque 100 000 réals. Quelque part, le fait de ne pas avoir déterré les coffres, ça nous a fait garder de l'argent de côté. Oh, je passe de métal. Bon, écoutez, on va améliorer les points à fond. Ça fait un truc à se préoccuper. Et c'est nécessaire de l'avoir à fond. Hein. Ça, oh oui, ça c'est absolument nécessaire pour les légendaires. L'apparence, on s'en fout. On verra plus tard ça par contre. Qu'est-ce qu'on peut vendre dans la cargaison? Le sucre, on peut tout vendre. Ça rapporte à mort. Le tissu, le rhum, on peut tout vendre aussi. Alors, le tissu, on peut tout vendre. Ça rapporte moins. Le métal, on vend surtout pas. Et le bois, maintenant, on peut le vendre.
15 000, on aura les moyens. Hein. 20 000, on aura les moyens, mais il nous faut beaucoup, beaucoup de fer, donc ça va être des fights de manoir après, hein, par la suite. Ouais, on a déjà Abstergo, bon, mieux. Il y a juste un truc qui me préoccupe là. Carte au trésor, c'est bon. Objet de quête. Voilà. Ouais, munitions. Ouais, on a pas grand chose. Il y a un truc qui me préoccupe énormément. C'est que je ne vois pas où est-ce qu'on peut donc améliorer bah, les plans qu'on a trouvés là. C'est pourquoi juste. Bien et pas muy bien, hein, comme on pourrait dire en espagnol. Alors voilà, pistolet. Mieux, moins bien. Ça, je l'ai pas, et tout ça, c'est moins bien. Donc on s'en fout, on va pas s'emmerder après ça. Alors, c'est peut-être disponible pour l'apparence du Chuck Do. La très célèbre flotte de Kenway. Bon, je vois leur truc, ça ne rapporte grand chose, ça m'étonne. Alors, les plans pour le mortier, là, je les ai, mais. Je reste confus, je sais pas si ça s'est installé. Est-ce que mes mortiers se sont améliorés? J'ai pas l'impression. Oui, c'est de là que partent les magnifiques bombes à très grande distance. Je reste incroyablement confus. On les a pas tous ? Ben là, je vous avoue ne rien y comprendre. On a tout récupéré pourtant. Mission scénario. Non. Et fermez la grand voile. Est-ce qu'il y a un endroit où on n'a pas... Il y a une carte qu'on n'aurait pas récupérée ?
Bon, il y a bien des convois navals. Peut-être cette carte est-elle dans un navire légendaire. Peut-être. Je sais pas qui me... Pourquoi mon niveau de recherche augmente ? Amélioration de Jackdaw. Ouais, il reste juste ça. Apparence Jackdaw. De progression, activité annexe. Alors, apparemment, il manquerait un coffre. Bon, je sais pas d'où. Ça me paraît complètement bizarre. À mon avis, ça se trouve, ça c'est juste pas actualisé. Taverne, c'est bon. Stelmaya, c'est bon. Cap Bonavista, oui. Ah oui, c'est ça. Coffre enfoui, donc d'accord. Taverne, c'est bon. Stelmaya, c'est bon. Pôle d'observation, c'est bon. Fort côtier, c'est bon. Activité annexe, c'est bon. Lieu secondaire, c'est bon. Lieu majeur, c'est bon. Bon, bah écoutez, on va tenter d'améliorer le Jackdaw dans le prochain épisode. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao.